Hey, ben salut à tous les amis, c'est Zekerton. Et oui, je suis de retour enfin. Donc oui, de retour en source. Donc oui, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc Hugo Bar aussi a bien fait de poser cette question. Donc il m'a posé la question sur le dernier tuto Minecraft. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos? Alors je vais vous expliquer. Donc là je reprends petit à petit parce que en fait ben, j'ai fait ma rentrée tout comme vous, sauf que moi je suis en apprentissage en charcuterie, donc ce qui me faut beaucoup de travail. Et donc j'ai pu assez de temps pour faire des vidéos pour vous. Voilà. Donc là, je profite de ce dernier week-end pour en faire, je pense, 4, voire 5. Parce que la semaine prochaine, je suis à l'internat au CFA de La Rochelle. Donc, je ne serai pas chez moi. Tout simplement. Ben, on va y aller tout de suite. Donc, voilà, je fais ma petite reprise sur YouTube avec Dofus. Voilà, Dofus, mon jeu free-to-play gratuit, enfin gratuit, payant pour les abonnés, donc ceux qui vont sur toute la zone, sinon gratuit pour ceux qui restent sur Astrub. Hein. Donc, mon petit jeu free-to-play, stratégie, plateforme, etc. Donc, du tour par tour, quoi, en gros. Pour les gens qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas surtout. Donc je reprends dessus, pourquoi? Parce que c'est l'un de mes meilleurs jeux en ce moment, je joue vraiment à fond dessus. Voilà, si vous vous souvenez, refaites un petit tour en arrière, la présentation de mon CRA, donc Snoop Dogs, mon CRA, souvenez-vous, Airfeu, qui était Airfeu au level 187, donc qui était vraiment pas mal, hein, esthétiquement correct. Donc là il était level 187. Aujourd'hui je vous en fais une, moi à ma source cette fois, sans musique, donc avec mes commentaires à moi. Cette fois regardez, vous pouvez voir, il a complètement changé, il est tout nouveau, avec une nouvelle guilde, un nouveau titre et un bel ornement. Donc je sais pas si je l'avais la dernière fois, je pense que si. Mais en tout cas, voilà, je suis plus pareil, voilà, j'ai bien changé. Et il faut vous dire une chose aussi, donc je suis, voilà, j'ai 10 levels de plus que mon CRA, enfin qu'avant, en fait, que ma dernière vidéo. Donc ce qui me change énormément, énormément, énormément. Donc en gros, 10 levels de plus, ça correspond à ben, un petit moment où j'ai bien progressé, voilà. J'ai progressé durant ces 2 dernières semaines, j'ai passé presque 9 levels, voilà. Pour vous dire. Voilà. Que vous dire de plus? Alors oui, donc il est 197. Il a un nouveau titre qui s'appelle Super Assistant. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc je suis presque 198. Il me manque quoi? Il me manque 17% d'XP. Voilà. En gros, quasiment 36 millions de points d'XP. Mais ça va très très vite. Hein. Je suis cette fois à 3500 points de vie, donc vous verrez ça par rapport à ma panneau après là. Donc rien que pour vous dire que je suis un panoplie Fuji givre fou, donc une panneau très très haut level, là, au level 195. Donc je suis en 10 PA 6 PM, parce que pourquoi? Donc je vous montrerai ça pour la panoplie plus tard, sur la panoplie. Parce qu'en fait voilà, c'est par rapport à la panoplie que je suis en 10 PA 6 PM, sinon j'aurais pu être à plus de PA. Je suis à 2600 d'initiative, donc ce qui est plutôt très correct, hein. On va pas, voilà, on va pas se mentir. Niveau prospection, donc je suis à 160, c'est pas énorme. Mais bon, il y a mieux. Hein. Et il y en a qui ont moins que moi à ce level-là. Donc je me plains pas. Je suis à 5 de PO. Hyper important la PO. Ce qui m'aide beaucoup pour mon crash justement, c'est d'éviter de faire un tir éloigné dès le départ pour shooter les gens au loin. Donc 3 d'invocation qui sort pas énormément, hein, je vais vous l'avouer. Enfin bref, voilà, pour l'arachné, le chaffeur, les petites invoques comme ça par-ci par-là, et le kawott notamment, ce qui m'aide pas mal. Alors j'ai augmenté beaucoup ma sasa, je suis à 453 de sagesse. Donc 101 de sasa de base, donc je suis parchoté 101. C'est énorme une sasa comme ça. Au niveau d'un CRA 197, franchement j'ai vu les CRA 197 sur YouTube, les sasa ils en avaient moins. Voilà, donc je suis presque le meilleur. J'en ai vu deux par contre qui avaient 470 de Sasa, donc je suis pas loin d'eux. Hein.
Au level, ils étaient level 198. Voilà. Donc juste pour vous dire que j'ai une super bonne Sasa. Donc maintenant c'est fini, air feu. Je suis air terre. Parce que l'élément secondaire et mon second élément que j'avais sur mon Kra avant que je sois air feu, c'était feu. Et après j'étais passé terre. Pendant un bon moment d'ailleurs. Après il y a eu l'orbe reconstituant, donc je suis repassé air feu. Voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi également. Donc 471 de force, hein, vous pouvez le voir, 58 de base, donc je suis parchoté un peu, j'ai pas fini. Donc c'est plutôt satisfaisant, hein, je fais des bons dégâts quand même avec mes sorts terre, voilà, on va pas se mentir. 26 en intel, pourquoi est-ce que je suis parchoté 26 en intel, tout simplement. 0 de chance, donc ça c'est pas grave, hein, je fais quand même des dégâts. Et 720 d'agilité, mais vous pensez que c'est pas beaucoup, mais je vais vous montrer après, donc les détails. Qui est vraiment énormissime. Donc voilà, donc vous pouvez le voir par vous-même. Je suis parchoté aussi 98 en vitalité. Pour ça que je suis presque à 3500 points de vie. Sinon j'aurais été à 3400 points de vie. Tout simplement. Donc comme je vous avais dit, 2600 points de vie. 2600 d'initiative, pardon. Donc 45 de retrait d'esquive PA. 45 et 57 de retrait d'esquive PM. 57 très bonne esquive PM. Qui m'aide beaucoup d'ailleurs. 25 de CC. Alors sur mon Kra full air, parce qu'avant j'étais full air, avant d'être air terre, j'étais à 950 d'agilité, donc quasiment 1000 d'agi, et j'étais à 36 de CC, donc 1,5 quasiment partout. Cette fois je suis pas en 1,5, je suis en 1 sur 6, mais il suffit que je fasse en fait un sort qui est très facile, tir critique, qui est à fond, et je passe en 1,5 partout. Voilà. Partout, voilà, il suffit d'avoir en fait 42 CC et je suis en 1,5 partout, voilà, tout simplement. Donc 90 de tacle, énorme pour tacler les Ossa, les Yop, tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. La fuite est très très bien aussi, la fuite pour m'échapper des endroits où je suis encerclé, tout simplement. Voilà pourquoi, en fait, je vous avais dit que 720 d'agilité, c'était pas beaucoup, parce que voilà, niveau dommage, j'ai 75 de puissance. Moins 13 de dommages critiques, mais ça je vous expliquerai ça sur la panoplie également. 66 de dommages neutres fixes, 93 de dommages terre fixes, 7 et 6 pour feu et eau. C'est pas énorme, mais voilà, c'est quand même des petits dégâts. Hein. Et 123 de dommages air fixes. 123 de dommages air fixes, en fait, si on ajoutait l'agilité, il faudrait qu'au moins j'ai 1100 d'agilité pour avoir, pour enlever ça en fait. Voilà. Ça correspond à peu près 1100 d'agilité sur mon Kra. Donc ce qui est plutôt énorme, donc je fais des très très bons dégâts. Hein. Voilà. Au niveau résistance, une magnifique résistance également, hein. On va pas se mentir. 15-26 en neutre, 17 en terre, 17 en feu, 26-7 en eau et 17 en air, ainsi que 6 de résistance au CC, ce qui est plutôt bien, comme ça me réduit un peu les dégâts des CC que m'envoient les autres adversaires. Par exemple, un copain à moi qui s'appelle Luigi Seven, qui a la bague éternelle, il fait du moins 1005. 1500. Moi j'ai 6 de dommages, j'ai 6 de résistance au coup critique. Il suffit qu'il me fasse un CC, il me fera un CC à moins 1003 ou 1004 maximum. Voilà, ça me retire quand même 100 ou 150 de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut nous sauver la vie. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc les sorts, et eh ben il n'y a rien de plus bête. Hein. J'ai remis Marteau de Moon level 1. L'invocation d'Arachné level 1 parce que je l'avais monté également. Parce que c'est un très bon sort quand même, c'est une très bonne invocation, on va se dire. Donc j'ai toujours donc mes sorts air à monter à fond. Et j'ai monté également donc mes sorts terre qui m'aideront très bien. Qui me seront d'une aide très précieuse dans les combats. Voilà. Donc maintenant passons à l'inventaire. Donc l'inventaire, rien de plus simple. Donc je suis avec la panoplie Fuji. Donc une très belle panoplie d'ailleurs. Qui me donne un PA, 200 de vita, 400 d'initiative, 4 de CC, 30 de dommages critiques, donc ce qui me réduit mes dommages critiques, c'est très bien d'ailleurs. Et un PO, voilà, un PO ne fait jamais de mal, justement, c'est le but. Parce qu'en fait, si j'aurais eu la panoplie Alistair, ça m'aurait offert que un PO également. Là, ça m'en offre deux. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer un peu le tour. Donc la coiffe de la Fuji Givre Fou, donc très bon
comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc très bon, très bel objet, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, 280 en vitalité, donc c'est très bien. Hein. 55, 56 en force et en agi. Donc je me maintiens dans les éléments. Hein. J'aimerais que ça soit égal dans les deux éléments. Donc voilà, j'essaie de d'être le plus égal possible. Un PO, donc voilà, comme je vous avais dit, hein, un PO, ça m'en donne 2, donc la panoplie m'en donne 2. Les dommages neutre, terre et air, donc à 12, je suis toujours sur les dommages comme ça, il m'en manque pas. Voilà, je suis au maximum, je crois d'ailleurs, on va vérifier, non, on peut pas vérifier ici, mais je suis au maximum. Donc la prospection, l'initiative qui est à 451 d'initiative ici, et la résistance, j'essaye de trouver les meilleurs G en HDV, ce qui pourrait vraiment m'aider. Voilà. Donc les dagues hier. Très beau cac, hein. J'étais un peu également déçu de ce cac-là. Je pensais vraiment qu'il ferait beaucoup de dégâts parce qu'en fait avant j'étais avec le marteau racle, donc un marteau full air qui fait des très bons dégâts d'ailleurs. Où je faisais par exemple, que je vous donne une idée, en CC sur un bouffe-tourmoute du moins 1002, voilà. Là sur un bouffe-tourmoute avec les dagues IR, je fais du moins 700 voire 750 en CC grand max. Pourquoi? Parce que déjà il y a 10 à 16 de dommages terre, 10 à 16 de dommages air. Les dommages terre ne peuvent pas être changés. Donc en fait les dommages ici sur ce CAC ne peuvent pas être changés. Donc ce qui fait que la terre, c'est ce que le bouffe-tourmoute résiste le plus. Donc je fais en fait quasiment que des dommages sur les dommages air. Voilà, ce qui est vraiment dommage également. Quel jeu de mots pourri. Donc je suis à 283 de vitalité. Ah oui, aussi pour vous avouer, j'ai une panneau comme ça. Mon copain Lucky Seven m'a dit, ouais, t'as pas une très bonne panneau, t'aurais dû prendre la même que la mienne, t'aurais été super fort, nanana. Donc c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts, il headshot quasiment un bouffe-tourmoute avec la bête éternelle, j'avoue, hein, j'aurais bien voulu l'avoir également. Sauf que lui, comparé à moi, lui fait beaucoup de Coliseum et aime beaucoup le PVP. Donc il s'est basé sur le stuff PVP. Voilà. Moi je me suis basé sur le stuff PVM, donc les monstres, les donjons et tout ça. Voilà. Pour rien vous mentir, j'ai une team de 4 personnages full stuff. J'en ai refait deux autres qui sont en train d'être montés. Donc voilà, je prends un petit peu mon temps, on va dire. Donc j'ai une team de 4 personnages. Donc mon Kras 197, mon Ennis 149, mon SRAM 127 je crois, et mon Feka 128. Très belle team d'ailleurs, hein, je peux pas vous mentir. Je gère le RM tout seul, le Royal Moot. Hein. Et voilà, donc ce qui est plutôt pas mal pour le départ, hein, bien sûr. Hein. Après, dès que j'aurai 6 personnages full stuff, je pourrai gérer toutes sortes de donjons. Hein, voilà. Oui. Les personnages donc, que je viens de vous citer donc, dans ma team, je vous les présenterai lors de ma prochaine vidéo que je ferai de Dofus. À part si je fais une vidéo Coliseum avant. Mais en tout cas, je vous les présenterai. Voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc s'ils sont full PVM, hein, c'est que du PVM. C'est que des panneaux PVM. Voilà. Donc là, vous avez vu un peu le G, 60, 58, en force et en agi. Je me maintiens. Hein. Ce qui est bien avec les dagues IR, c'est qu'elle donne absolument toutes les caractéristiques que je voulais. 41 en Sasa, c'est très bien. 5 en CC, c'est très bien également. 1 PO, c'est très bien. Après... 11 dommages terre, 11 dommages air, donc je reste toujours dans la norme, rester à l'égalité complète. Sinon, je vous ai dit, hein, 275 d'initiative, la résistance critique et les 4% de résistance neutre, ce qui est vraiment beauf, parce que je sais que je pouvais monter à 8, mais je me suis dit, vu le G que c'était, en plus c'était le moins cher de l'HDV, et franchement, je le trouve très, 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 très joli. Voilà. Donc l'anneau de la Fuji, 244 en Vita, 34 en Sasa, 39 en puissance, 2 de CC, 11 dommages terre, 12 dommages air, donc je reste toujours dans la norme, 284 d'initiative et 10 de résistance terre, feu et air sur les 3, ce qui est plutôt très joli, voilà, pour un anneau. La cape de la Fuji Givrefou, donc comme je vous ai dit, je reste dans l'égalité des deux éléments, donc 59 en force, 57 en agi, 37 Sasa, 4 CC, 1 PM. Les dégâts, donc 14, 14, 14, terre, air, neutre, bien sûr. Et la résistance, donc 7, 7, 7, donc je reste très très bien dans l'objet. Donc il y avait des gens qui m'avaient dit, sur ce serveur-là, donc je suis sur le serveur Alistair, hein, pour ceux que ça intéresse, pourquoi tu n'as pas pris une cape de la Fuji FM Vie? Alors, ça m'aurait intéressé, comme ça ma vie aurait monté un peu, mais je me suis dit dans ma tête,
J'ai vu un peu les G avec la vie, par exemple, si j'en prenais une à 100 vita, la force et la G m'auraient donné que 40 et 40, voire 40 et 45. Moi, ce qui m'intéresse pas du tout, c'est d'avoir un maximum de caractéristiques. Donc, les 59 en force, 57 en agi, c'est très bien. Et il m'a dit, ouais, t'aurais pu en. Ben oui, mais oui. Mais pour 1 million de plus, c'est vrai que ça m'aurait intéressé, je l'aurais peut-être prise. Mais après, sur le reste, ça donnait pas la même chose. Hein. La résistance, elle était moindre. Donc, je préfère mieux avoir une cape comme ça. Et puis, il faut dire une chose, c'est que la cape ne donne pas de vitalité. Mais moi, par rapport à ça, j'ai vu sur la panoplie que ça en donnait 200. Donc, pour moi, en fait, les 200 de vitalité, ça les donne en fait sur la cape, tout simplement. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Tout simplement. Donc j'ai une Dragonnade Prune Émeraude, 200 Vita, 1 PM, 1 PO, donc le PO toujours très important hein, sur un cra. Le PM donc toujours important pour être en 10 PA, 6 PM, sinon je serai en 10 PA, 5 PM. Les bottes de la Fuji, donc 242 Vita, très beau jet de Vita, hein. 48 Force, 48 Agi, 48 Sasa, donc très beaux éléments bien sûr, faut se l'avouer, hein, je reste toujours dans l'égalité, je vous ai bien dit. Hein. 3 de CC, 1 PM. 11 de dommages terre, 12 de dommages air et 15 de résistance neutre et eau. Voilà, c'est très très bien comme objet. Alors pourquoi j'avais des dommages critiques en moins? Tout simplement parce que j'ai deux objets de la panoplie Nevarque. La panoplie Nevarque est très très bien, hein, je vais vous l'avouer, hein, j'ai pas les trois objets. D'ailleurs pour vous dire que mon copain Lucky Seven, en fait, lui a deux panoplies similaires. Une, donc la panoplie des Lister, full air, qui lui donne notamment un PA à la fin. Et la panoplie Nevarque entière, bien sûr, je vais vous la montrer. Voilà, par exemple, la panoplie entière qui donne un PM. Donc ça fait qu'il tourne en 11 PA 6 PM ou 12 PA 6 PM, je ne sais plus. Voilà. Donc c'est une très très belle panoplie. Si j'ai pris deux des trois objets, c'est parce qu'en fait, ça me remplaçait mes anciens objets et qu'ils étaient vraiment jolis en force et en agi. Donc tout me donne de la force et de l'agi, à part les deux anneaux, bien sûr. Donc la ceinture, 328 en vita, 1 PO toujours, bien sûr. 50 et 37, donc je reste toujours dans les normes, même s'il y a 13, 13 d'éléments différents, bien sûr. 46 de sagesse, une très très belle sagesse. 11 de dommages neutres, 6 de dommages terre, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup, mais 20 de dommages air, par contre, c'est énorme. 11 de fuite, moins 22 de dommages critiques et 15% de résistance neutre. C'est un super bel objet. L'amulette Nevarque également, 340 en vita, 44 force, 42 agi, 24 sasa, 1 PA, 16 de dommages neutres, 24 et 24 de dommages terre et air. C'est magnifique. Moins 21 de dommages critiques, c'est pas joli, mais bon, je me rattrape. Hein. Et 11 de résistance en eau. Voilà. Et le dernier objet donc, qui me remplace, mon Gélano PA PM, j'ai pris l'anneau MG Rock, qui me donne donc le PA bien sûr. C'est un anneau en fait qui est similaire au Gélano PAPM, sauf qu'il donne exactement la même chose que l'anneau Fuji, donc c'est-à-dire de la vita, de la sagesse, de la puissance des CC, sauf qu'après bon il donne pas de la prospection, de l'initiative et de la résistance, il donne tout simplement des dommages dans tous les éléments confondus. Donc j'ai pris 7, 4 de dommages terre. Non. 4 de dommages terre et 6 de dommages air. Voilà, c'est un très bel anneau que j'ai payé d'ailleurs un bon prix. Au niveau trophée, donc tout simplement il y a le Fouribon majeur, le Ravageur air majeur, l'Acrobate et l'Acrobate majeur, toujours très important, et le Dofuscaote bien sûr qui est passé à la dernière mage à 60 en Sasa, donc ce qui est lié au compte. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de Dofuscaote sur leur perso comme mon SRAM et mon FEKA n'en ont pas et n'en auront plus. Voilà. À part après si je fais la quête, je pense du Dofuscaote, ça se peut que je l'ai, mais après c'est à voir, voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait ma description. On va passer au combat, donc on va aller sur le punch, level 75, on y va. On y va, on y va, on y va. Hop, j'espère que le son de Dofus n'est pas trop fort pour vous. Donc vous voyez en bas, hein, super belle caractéristique, hein, je suis vachement esthétiquement beau, avec ma résistance, tout ça. On va y aller, donc on va faire une flèche absorbante, regardez, sans boost, sans rien. D'accord. Sans boost, sans rien, donc 381, hein, c'est énorme. Voilà, tout simplement. Ouh, lui, c'est fait un beau prix, lui. Donc, moins 381, on va faire la flèche punitive, donc c'est toujours les gens, hein, moins 300 quasiment, pas de CC. On va commencer à se booster, voilà, 42 dommages.
avec une flèche interpuissant à 250 de puissance. Et je vais vous montrer ce que ça fait une flèche absorbante bien boostée. Voilà, moins 500. Avec une petite flèche harcelante qui ne fait jamais de mal à moins 350. On va s'approcher de lui. Voilà. Attendez, non, je voulais vous montrer la flèche punitive bien boostée avec tir critique derrière à la clé. Regardez un peu les dégâts que ça fait au troisième tour. Moins 700 quasiment, c'est des très très bons dégâts, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a également la flèche cinglante qui fait du moins 300 en CC, donc vachement joli. Il y a la flèche extructrice qui fait du moins 350, hein, des vrais ravages, hein, je veux pas. Voilà. La flèche de recul qui fait toujours de très bons dégâts, regardez, donc 430. Donc on va s'approcher de lui. Là je vais juste vous montrer le cinquième tour avec une flèche punitive boostée, donc 89 à 91 de dommages terre. Regardez un peu les dégâts que ça fait. 300 boost. Oui, c'est ça, sans boost, je fais du moins 700. Voilà, avec boost, je ferai du moins 900 voire 1000. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure sur un autre punch. Donc les dégâts de mes dagues hier, là je vais vous les montrer avec maîtrise de l'arme, non boosté, je fais du moins 540. Donc on le fait, voilà, 2 CC, magnifique. On repart sur un punch level 75, hein, bien sûr. Voilà. Donc on fait directement la flèche punitive. Dégâts que fait ma flèche punitive. Donc on se boostera en dernier. Donc on passe très vite. Voilà. Tac, je l'avance. Moins 512. Sans boost, hein, bien sûr. Là, donc hop, je la relance. Moins 745, hein, les dommages montent. Là, je me booste. Voilà, parce que je pense que ça va faire de très bons dégâts. Je pense, hein. Regardons 125 à 127. Regardez les dégâts, logiquement je fais du moins 1000. Moins 1043. Voilà, donc ça c'est de super dégâts. Je n'ai jamais vu autant de dégâts que ça. On va le terminer vite fait le punch. Voilà. Voilà, des petits boosts faciles, hein, pour que je sois en 1. Donc comme je vous avais dit, regardez, 1,5 partout. Ah non, je suis en 1 sur 4, ça... d'accord. Là je suis en 1,5. Là je suis en 1,5. Là je suis en 1,5, là je suis en 1,5 aussi, je suis en 1,5, je suis en 1 sur 4, je suis en 1,5, enfin en gros je suis en 1,5 sur quasiment tous les sorts, voilà. DCC à moins 650, c'est magnifique, avec une petite flèche de recul à moins 500, c'est pas très joli mais bon tant pis. Là je le finis, moins 450, je suis pas boosté, voilà. Donc eh bien, voilà mes amis, c'est sur ce que nous allons nous laisser. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, logiquement qui viendra ce soir. Voilà, une prochaine vidéo, je pense faire, ben, vous verrez bien, hein, voilà, c'est la surprise. J'en ferai deux demain et une dimanche. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée mes amis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Zeki Horton. Bye bye.